Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous souhaitez savoir comment publier une vidéo sur votre chaîne YouTube avec le nouveau Créateur Studio. Je vous explique dans cette vidéo comment faire. Donc, je suis Lily de la chaîne Pensée Digital Marketing et du site pensedigitalmarketing.com. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire avec le nouveau Créateur Studio. Donc, vous êtes ici sur l'accueil YouTube. Vous êtes connecté à votre chaîne YouTube. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous expliquer. Je vais d'abord vous montrer la première façon de faire. Donc, ici, vous avez la petite caméra. Et lorsque vous passez dessus, vous avez le petit carré créé. Excusez-moi. Vous cliquez dessus. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez le choix entre passer au direct, qui veut dire faire un live sur YouTube, ou mettre en ligne une vidéo. Donc, on va choisir mettre en ligne une vidéo. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez atterrir sur les coulisses de votre chaîne YouTube. Vous avez ce grand panneau importer des vidéos. Donc là, vous êtes vraiment dans l'arrière de votre chaîne YouTube, comme une arrière boutique. Et ici, vous allez soit vous allez faire un glisser-déposer de votre fichier vidéo, soit vous allez cliquer ici, c'est ce que je vais faire, sélectionner des fichiers. Donc là, je vais choisir une vidéo. Vidéo YouTube. Alors, c'est une vidéo que je ne vais pas publier sur ma chaîne YouTube. Donc là, vous arrivez en fait sur l'optimisation de votre vidéo YouTube. Donc évidemment, il va falloir mettre un titre, ça c'est obligatoire, et puis c'est plutôt indispensable pour que votre vidéo soit référencée par YouTube. Ici, vous devez rajouter une description. Donc là, moi j'ai déjà une description qui est déjà paramétrée. Je vous expliquerai comment faire dans une prochaine vidéo. Là, vous avez la partie miniature. Vous pouvez la rajouter dans une playlist. Là, c'est nouveau. Vous devez en fait choisir si cette vidéo est conçue pour les enfants. Donc moi, c'est non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Moi, je vous encourage à plutôt cliquer sur non, elle n'est pas conçue pour les enfants, à moins que vous fassiez évidemment des vidéos pour les enfants. Mais là, si vous faites des vidéos pour les enfants, bien sûr, vous cliquerez sur le oui. Voilà, donc là vous avez autre option, donc là c'est pour ajouter des tags, je vais cliquer, je vais vous montrer. Alors là j'ai déjà en fait le tag de ma chaîne YouTube, Lily Pensée Digital Marketing, il est déjà paramétré et ensuite vous rajoutez des tags. Les tags en fait c'est pour justement aider à ce que la vidéo soit référencée. Et soit le mieux possible référencé, en tout cas que la vidéo soit plutôt sur la première page des recherches, sur le moteur de recherche YouTube. Hein. Ça, c'est vraiment l'idéal pour avoir des vues et pour vraiment attirer aussi des abonnés sur votre chaîne YouTube. Mais ça, pareil, ça sera l'objet d'une vidéo. Je vais bientôt publier une vidéo sur comment créer une chaîne YouTube et je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Mais là, l'objet, en fait, de cette vidéo, c'est vraiment publier une vidéo YouTube. Donc là, vous êtes ici, vous faites suivant. Là, vous pouvez ajouter un écran de fin. Ajouter des fiches. Alors, en écran de fin, c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir, je vais vous montrer rapidement, je clique sur importer à partir d'une vidéo, par exemple là. Voilà, là vous rajoutez en fait, depuis la vidéo qui est déjà publiée, son écran vidéo que vous reportez sur votre nouvelle vidéo que vous allez publier. Donc là, vous avez en fait ici le bouton s'abonner. Pour la chaîne YouTube. Ici, vous avez la playlist que j'ai choisi de mettre en avant et la playlist tutoriel que j'ai choisi aussi de mettre en avant à la fin de cette vidéo à 3 minutes 10. Vous voyez? Donc là, par exemple, vous enregistrez. Vous faites la même chose aussi sur les fiches, mais les fiches, c'est vraiment pour faire la promotion de vos contenus sur votre chaîne YouTube. Si vous avez plusieurs vidéos, vous pouvez les rajouter dans la vidéo. Mais là, je vous expliquerai plutôt dans la vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une chaîne YouTube. Donc là, vous faites suivant.
Et là, ici, donc vous arrivez à la fin en fait de l'optimisation de la vidéo, qui est la visibilité. Choisissez quand publier votre vidéo et qui peut la voir. Donc là, vous avez plusieurs onglets, plusieurs choix possibles. Vous pouvez la publier de suite, mais ça, je vous le déconseille parce qu'il faut toujours optimiser sa vidéo. Vous avez l'option privée, donc ça, c'est vraiment pour des vidéos que vous souhaitez garder pour vous et que vous n'avez pas envie qu'elles soient même répertoriées. Vous avez l'utilisation non répertoriée que je vous conseille de faire pour pouvoir ensuite travailler en fait sur la vidéo, l'optimiser. Voilà, donc là, vous avez le bouton public qui est enregistré ou publié. Et vous pouvez aussi la définir en tant que première instantanée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des chaînes YouTube qui proposent des avant-premières sur leurs vidéos YouTube. C'est-à-dire, en fait, ça se présente comme des lives, sauf que les vidéos sont déjà enregistrées. Donc, vous avez un chat, et de toute façon, c'est marqué avant-première. Et ensuite, si vous revenez sur la chaîne YouTube, vous avez la vidéo qui est toujours disponible. C'est pas vraiment un live parce que la personne, le créateur n'est pas en live. Il sera avec vous dans le chat. Il aura déjà fait, en fait, la vidéo, mais il va la diffuser en avant-première. Voilà. Donc, c'est pas mal, ça, pour booster, en fait, des vidéos sur sa chaîne YouTube. Et là, vous cliquez sur publier, c'est tout simple. Je ne vais pas le faire parce que ça n'a rien à voir avec mon contenu, mes contenus sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc ça c'est la première façon de faire quand vous êtes en fait sur l'accueil, hein, sur l'accueil de YouTube ou sur l'accueil de votre chaîne YouTube par exemple. Je vais vous montrer votre chaîne. Vous cliquez dessus parce que là vous étiez dans l'arrière boutique de votre chaîne YouTube. Voilà, donc là, vous êtes sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Hop, je suis allée un peu trop vite. Alors, c'est un petit peu long, là, je ne sais pas pourquoi ça arrive parfois. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis Lily. Ok, donc ça, c'est la présentation de ma chaîne YouTube. Donc là, vous pouvez aussi, ben, vous voyez, vous avez encore, dès que vous avez en fait la petite caméra, vous pouvez en fait mettre en ligne une vidéo, que ce soit sur l'accueil YouTube. Alors bien évidemment, il faut être connecté, voilà, il faut avoir une chaîne YouTube, sinon vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire directement sur l'accueil de votre chaîne YouTube, ou vous pouvez aussi rentrer dans votre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi cliquer sur personnaliser la chaîne, si vous le souhaitez, mais là, j'ai fait d'une autre... Ah ben, vous voyez, je me suis trompée, donc il faut cliquer sur personnaliser la chaîne. Voilà, donc là vous êtes vraiment sur votre chaîne YouTube, vous êtes sur votre chaîne YouTube et là vous cliquez sur gestionnaire de vidéos. Et là, même dans l'arrière-boutique de votre chaîne YouTube, dans les coulisses de votre chaîne YouTube, vous pouvez là aussi, vous avez le bouton créer, hein, voilà. Dès que vous avez une petite caméra, voilà, vous savez que là, c'est bon, vous pouvez importer des vidéos. Voilà comment importer, comment publier une vidéo sur votre chaîne YouTube. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo. Ça me ferait plaisir, ça me motiverait à continuer à faire toutes ces vidéos tuto sur YouTube notamment. Quant à moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.